Un citoyen de Bécancour, Nicolas Sorel, de 74 ans, sans revenu d'emploi, a été fraudé dans le cadre des fraudes de la PCU pour 10 000 $. Il a d'ailleurs perdu ses remboursements de TPS. Il est allé à la police, il est allé à la caisse et bien sûr à l'Agence de revenus du Canada, qui lui a cotisé de force pour 3 000 $. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec sa ministre pour dire, et député de Gaspésie-les-Îles, pour dire que dans un cas similaire, il faut faire payer la victime? Très honorable premier ministre. Nous savons que malheureusement, il y a eu des Canadiens qui ont été victimes de fraude. Les ministres travaillent en étroite collaboration avec le Centre antifraude du Canada pour veiller à résoudre ces problèmes. Nous avons également fait en sorte de fournir à l'EDSC et à l'ARC les ressources nécessaires pour accroître leur capacité de détecter les cas de fraude de PCU, de mener des enquêtes, de les régler et d'appuyer les victimes. Les victimes de fraude ne seront pas tenues responsables des sommes versées aux personnes qui ont volé leur identité. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez que le prêt de millions de victimes de fraude de la PCU fasse avec les phrases vides du premier ministre? Quelqu'un seul qui gagne 50 000 $ par année, qui a un vol d'identité, pour quelqu'un qui va recevoir 14 000 $ de PCU à sa place, va devoir avancer au gouvernement, au premier ministre, 5 000 $. Est-ce que le premier ministre croit qu'il est normal qu'on fasse payer les victimes de fraude? Bravo. Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, les victimes de fraude ne seront pas tenues responsables des sommes versées aux personnes qui ont volé leur identité.